Bonjour. Bonjour. Ben, vous vous présenter au public malien. Je suis Eric Atta, je viens de Rennes, du Stade Rennais, qui est un club qui joue en première division en France depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Et je m'occupe du recrutement post-formation au club, c'est-à-dire tous les garçons qui sont âgés de plus de 18 ans. Et j'arrive en soutien aussi sur le recrutement professionnel. J'ai entre autres pour mission de mettre en place des partenariats ou des associations avec des académies sur le continent africain. Et si vous avez parcouru des milliers de kilomètres pour être à Bamako, ça doit être pour de très bonnes raisons. Absolument, c'est-à-dire que Bamako, pourquoi Bamako? Parce que Bamako était à mon programme, mais je ne savais pas encore quand est-ce que je viendrais ici. Pour la simple et bonne raison que le Mali, ces 10 dernières années quand même, me donne l'impression d'être une terre de foot parce que sur tout le continent, sur tous les continents aujourd'hui, on rencontre de très 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 bons footballeurs maliens qui jouent à très très bon niveau. Donc j'ai eu l'occasion l'année dernière, j'étais sur un tournoi à Cotonou qui s'appelle le tournoi le TIC 2F, où j'ai eu l'occasion de voir les garçons de l'Étoile du Mondé. Et par rapport à ce que je leur ai vu faire, par rapport aux discussions que j'ai eues après avec les différents responsables techniques, les dirigeants, je me suis aperçu que c'était peut-être une académie qui véhiculait les valeurs que nous recherchons, nous, des gens avec qui on peut travailler. Et j'ai voulu venir ici pour me rendre compte un peu de comment ils travaillent, me plonger un peu dans leur environnement et voir comment est-ce que tout ceci se passe. Donc Cotonou vous a révélé Étoile du Mondé et vous a orienté vers une nouvelle source. Absolument, absolument. C'était le moment, j'ai envie de dire, de passer le cap et de venir là. Et c'est vrai que ce que j'ai vu sur le tournoi de Cotonou m'a fait accélérer mon planning pour que je puisse vraiment voir sur place ce qui se passe et comment les enfants travaillent ici. Et aujourd'hui, vous êtes venu toucher du doigt les réalités de l'Étoile du Mondé. Absolument, absolument. Il y a eu de la matière. Il y a de la matière, il y a des structures, il y a des garçons qui ont du potentiel, il y a un encadrement qui est de qualité, à tous les niveaux d'ailleurs, pas que technique. Et puis, je pense qu'il y a un potentiel parce qu'il y a quand même de l'espace pour faire des choses intéressantes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un pont peut être établi entre Étoile du Mondé, le Mali, le Stade Rennais et la France? Ben absolument, c'est pour ça que je suis là. L'idée, c'est que ce pont existe un jour. Et pour ça, comme je disais il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment venir s'imprégner de ce qui se passe, de manière à pouvoir travailler avec les responsables de l'Étoile du Mondé pour voir si on peut faire un bout de chemin ensemble à un moment ou à un autre. Et vous avez suivi d'ailleurs, au-delà de ce que vous avez vu, vous avez visité le centre et vous avez eu un match qui vous a permis donc de voir aussi les valeurs. Absolument. Bon. Qui vous ont tapé dans l'œil déjà? Ben déjà, la première des choses, c'est que depuis que je suis là, j'ai vu pas mal d'entraînements parce que c'est très important de voir les garçons à l'entraînement aussi. Ça permet de savoir si certains sont travailleurs, pas d'autres, parce que le haut niveau, c'est le travail. Quel que soit le talent sans travail, il y a de fortes chances que ça n'aille pas au bout. Il y a des exceptions, attention, elles ne sont pas nombreuses. Et donc, aujourd'hui, ce matin, il y a eu cette opposition entre deux équipes, même si le score est un peu lourd pour l'adversaire, hein, le Magic Foot. Mais c'était quand même une opposition de qualité, où les garçons se sont révélés. Après, les garçons qui ont un peu de potentiel, qui ont ce que j'appelle une base de travail, n'ont fait que confirmer ce que je pensais depuis que je suis là. Et ça vous donne des idées d'asseoir un partenariat? Ben, disons que je suis plutôt, je dirais pas surpris, mais je suis plutôt dans une dynamique positive. Vous repartez de Bamako avec de très bonnes impressions? Ben, pour l'instant, les impressions sont bonnes. Mon séjour n'est pas encore fini. Et j'espère que mes impressions ne feront que se confirmer. Et à partir de ce moment, on pourra discuter sur des projets et puis envisager d'avancer ensemble. Parce que les dirigeants que j'ai rencontrés ici m'ont bien accueilli, m'ont ouvert leurs portes, m'ont ouvert leurs bras. Et puis à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas ensemble si on est d'accord sur tout ce qui peut nous réunir.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Mali, en général, et à Bamako en particulier, il y a beaucoup de Marseillais. Vous avez frappé, c'est pas fort, Marseille la dernière fois. Est-ce qu'on vous a réservé un bon accueil au Mali? Oui, absolument. Après, comme je dis, le football fait parler. C'est vrai qu'il y a des petits titillements, mais c'est sympa, c'est sympathique. C'est ça qui fait le charme du football. Chacun est supporter d'un club. Moi, je représente le Stade Rennais. On a joué contre Marseille la dernière fois, à Marseille en plus. On a produit du beau football, ben enfin, c'est ce à quoi aspire le club à travers son entraîneur Christian Gourcuff. Donc on a eu du mal dans les résultats, pas forcément dans le contenu de match, mais on n'était pas récompensé depuis le début de saison. Et c'est vrai qu'à un moment on s'est retrouvé dans une urgence de points qui aurait permis à tout le monde de dire quand même que ce qu'on fait n'est pas fait pour rien. Et c'est vrai qu'à Marseille en plus la qualité de jeu était là et puis le résultat y était aussi. Dommage pour mes copains marseillais, mais ils prendront des points certainement contre d'autres équipes. Une dernière question, c'est vrai que vous avez vu des garçons à l'Étoile du Mandé. Est-ce qu'il y en a qui vous ont fait penser à de grands joueurs maliens que vous avez côtoyés ou que vous avez accueillis déjà à Rennes? Oui, ben, disons qu'il y a toujours des parallèles qui sont faits quand vous êtes dans un processus de recrutement. Parce que des fois, vous avez vu des garçons à un certain âge qui sont devenus quelque chose. Et des fois, vous ne les avez pas vus, mais vous avez des garçons qui vous donnent l'impression que ça vous rappelle des profils. Et c'est vrai que je regardais tout à l'heure, il y a un garçon, je me suis dit, tiens, lui, il me fait penser à Dila, par exemple. De par ce qu'il fait, de par ce qu'il peut devenir, de par ce que je peux envisager, en sachant que j'ai le droit de me tromper aussi, hein, mon métier, il est fait comme ça. Et puis, ben, y a des garçons qui me font penser à certains joueurs de par ce qu'ils font. Alors on se dit, bon, normalement, si on les accompagne bien et qu'eux, ils travaillent comme il faut, on peut peut-être faire la même chose. Et si on fait la même chose déjà, s'ils ont la même carrière que ces joueurs qu'on imagine, ben ils auront fait déjà une carrière exceptionnelle, quoi. Voilà. Ricata, merci beaucoup et profitez du bon temps à Bamako. Merci, c'est moi qui vous remercie et je remercie encore pour l'accueil que j'ai reçu jusque-là. Super. Merci.